Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Cortana. Ah. Et je suis là. Je me suis dit, ça y est, elle me répond. Bonjour. Pourquoi il pleut? J'ai mis mes et son relaxant. C'est très relaxant. Non, c'est pas relaxant, ça me stresse, moi, l'orage. Bruit d'un orage au loin. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Nous sommes vendredi, je ne me bavais dessus, tout va bien. Il est 9h20. Je suis réveillée depuis quelle heure, moi, avec Romy? 7h-10, à peu près. Je lui ai donné son bibi et je l'ai recouché à la sieste. On est déglingué, mais quand je vous dis déglingué, c'est déglingué. On ne s'est pas couché très très tôt hier soir, enfin ce matin. Pour vous dire, j'ai fait le repas de midi, j'ai fait les purées de Romy. Donc le repas de midi est prêt, c'est un gratin de chou-fleur pour midi. Le repas de midi est prêt pour midi, oui, bon, vous l'aurez compris, c'est un gratin de chou-fleur. Donc il est prêt, il a juste à faire gratiner, donc je l'enverrai à gratiner sur les coups de 11h15. J'ai fait des purées pour Romy puisqu'on part ce soir, enfin ce soir, on récupère Calé à l'école à 16h30 et on part direct. Donc je lui ai fait des purées. Comme j'ai fait le gratin de chou-fleur, j'ai fait du chou-fleur et j'ai fait carottes. Et il y a également la purée pour midi. Il faut juste que j'en fasse une de plus pour en avoir pour ce week-end suffisamment. Voilà. Doudou, on a reçu la commande Shogun que j'attendais qui a été reportée. Normalement, on aurait dû la recevoir hier, mais elle a été reportée aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. Donc, je vais faire les enveloppes et on ira à la poste poser tout ça. Et Doudou a reçu, enfin, on a reçu mon nouvel ordinateur portable puisque le mien est en train de rendre l'âme. Voilà, donc c'est un petit peu mon outil de travail. Hein. Donc, il fallait un bon truc quand même. Et donc, Doudou m'a acheté cet ordinateur. Et regardez, c'est pas trop cool, les petites touches, toutes les couleurs. J'adore. Alors, c'est accessoire, on s'en fout en soi, parce que le clavier fonctionne. Donc, qu'il soit multicolore ou non, on s'en moque. Mais en plus, ça change de couleur, regardez. C'est trop canon. Je suis trop contente. Bref, ah oui, et sinon, autre chose. Cette nuit, nous avons commandé une brodeuse. Et ça, je suis trop contente. Parce que ça fait un moment que je voulais investir dans une brodeuse. Je vous en avais parlé il y a longtemps de ça. Hein. Et en fait, là, il y avait une offre pour le Black Friday. Donc, j'ai dit à Doudou, go. Voilà, donc je vais pouvoir vous proposer maintenant de broder tout sur la boutique Les Créas de Bébé. Donc, c'est un truc en plus. Hein. Parce que vous le saviez, moi, tout ce qui était prénom et tout, c'était du flex. Alors, j'avais la machine pour découper le flex, etc., etc. Mais la brodeuse, c'est vraiment un truc en plus. Parce que niveau... alors, pas que le flex, ça fasse pas quali, mais broderie, on est sûr que ça touche pas... Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait aria. De quoi ça fait aria? Oh. Ça fait qualitatif, c'est pour ça que je t'ai dit ah, ça. Ah, c'est qualitatif. Oh, il se moque de moi. Donc voilà, donc je suis très contente, j'ai hâte de la recevoir. Et ouais, j'ai trop trop hâte. Et de vous proposer tout ça parce que bah, ça va être autre chose, hein, la brodeuse. Hein. Vraiment, voilà. Voilà, voilà, pour les petites nouvelles du jour. Il fait dégueulasse, sinon, c'est. Voilà, il fait 1 degré, on se pèle le jonc, hein, comme dirait le jurassien. Dis donc. Tu te pèles le jonc? Laisse mon jonc tranquille. C'est classe. Laisse mon donjon tranquille. Oh, c'est classe. Je vais changer la batterie, j'ai déjà plus de batterie. Ça commence bien. Et sinon, ouais, j'ai annulé. Tu t'appelleras quand même le sport, histoire que c'est bien annulé, chérie. Ouais, bah, j'ai renvoyé un texto parce qu'il m'a envoyé un texto hier, mais j'ai pas eu de réponse. Ah, super. Parce qu'il avait son cours de MS ce matin, mais en fait, il avait son cours de MS en même temps que moi, mon aquagym. Et moi, j'ai annulé mon aquagym parce qu'on s'est dit ça va être trop la course. Même si je me suis avancée au niveau des gratins de chou-fleur et tout, ça va être trop la course. Et si c'est pour qu'on se presse, qu'on se stresse et tout, c'est pas la peine. Donc, c'est pas grave. Le sport, il y aura la semaine prochaine. Il va pas partir en courant. Voilà. Ni moi. Ni moi. Non, je vais pas partir en courant, moi. Mais voilà, je préfère qu'on soit à la maison opérationnelle sur les valises et que tout soit ok et qu'on n'oublie rien plutôt que. Hein? On a vécu la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, c'était trop la course. Pour partir à la Villa Florentine et chez mes parents, j'étais allée au sport le matin et c'était la course. Donc voilà, je préfère que ce soit moi la course et puis c'est pas grave. Le sport, je rattraperai la semaine prochaine, c'est pas un souci.
Voilà. Allez, je vais manger une petite tartine. Après, on va ranger la table du petit-déj. Et on est parti pour la journée. On va aller à la poste. Et il faut que je fasse le sac de Romy. Le sac de Cali et Daria est fait. Il me reste juste celui de Romy. C'est parti. Let's go pour la journée. Et accessoirement, il faut que j'aille me faire une tronche aussi. C'est, ça serait bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi? Une batterie. Oui, il faut que je change de batterie. Bon, commande Shogun reçue. J'ai pu faire les colis et là, Doudou va aller les déposer. Mondial Relais et la poste. Comme ça, tout est parti avant notre week-end. J'ai fait également la boîte pour les petits-déj. Puisque les petits-déj, on va les prendre à l'appart Airbnb. Oui, attends, deux secondes. Tu veux montrer ton ordinateur? Tu fais du travail dedans? Elle a comparé, elle a dit que c'était le même que le mien que j'avais reçu aujourd'hui. C'est vrai, hein, c'est tout pareil. Ouais, elle veut monter. Tu veux montrer? Tu veux expliquer c'est quoi dans ton ordinateur? Ah. Oh là là. Waouh, mais c'est super. Tiens, maman, elle tient. Ouais, elle t'allume. Waouh. Salut. T'es un clown. C'est très beau. Ouais. Ouais. À bientôt. À bientôt. Donc j'ai fait la boîte. On fait tout le temps ça quand on part en vacances, en week-end ou quoi, puisque on va prendre du pain de mie, etc. Et je veux pas que ça soit écrasé. Non, mets pas tes doigts dedans. Je veux pas que ça soit écrasé au fond d'un sac. Donc là j'ai pris 2 litres de lait, j'ai pris de la brioche, du pain de mie, j'ai pris des petits gâteaux pour le petit. Attends 2 secondes. D'accord. J'ai pris lit de lait, brioche, céréales, compote, le cacao, la pâte à tartiner. Et puis voilà, on devrait être pas mal. J'ai juste oublié d'acheter du beurre. Mais bon, c'est pas bien grave, on mangera que du Nutella, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est prêt, je vais aller faire... Il reste quoi comme sac? Le mien et celui de Romy. Et on est bon... Non, par contre, il faut que je fasse le sac avec la poudre, donc son lait. Généralement on utilise ça comme ça, que c'est les sacs de chez Sustain Green, et franchement on les trouve trop bien parce qu'ils se ferment avec une fermeture éclair et ils tiennent super bien. C'est de la, c'est comme les sacs au champ et tout, sauf que bon bah ils sont tout de suite plus jolis, hein, y a des petits chiens dessus, donc on va préparer tout ça. On va prendre les gourdes des filles aussi, et j'ai fait une to-do list, donc je cocherai à chaque fois que c'est bon pour rien oublier. Alors les grandes c'est pas un souci, mais Romy il faut rien oublier, les couches, tout ça faut rien oublier. Il y a ton ordinateur qui tourne tout seul là. Rends ta langue. Mademoiselle Romy est réveillée. Tu tournes ta tête de l'autre côté. Là regarde. Coucou. Bonjour. Et alors, t'as 4 mois aujourd'hui? Eh oui. Bon, je suis toujours pas prête, mais j'ai fait les sacs, donc ça c'est une bonne chose. J'ai habillé Romy, j'ai fait la petite photo. Attendez, je vais vous poser là. J'ai fait la petite photo des 4 mois. Vous savez, j'aime bien faire ça. Hop, je vais allumer le four pour que mon gratin de chou-fleur commence à dorer doucement mais sûrement. On va manger la purée? Hein? On va manger? T'as faim? Ouais. Bébé sourire. Bon, allez, on est parti. Je vais chauffer la purée, la table est mise. Presque tout est ok. Donc, je crois qu'on est pas mal. Voilà. Doudou est parti. Donc, comme je vous ai dit, déposer les colis avec Aria. Et il allait récupérer Cali. Donc, ils vont pas tarder là dans un quart d'heure. Je dirais à peu près. Hein? On mange? On mange? Tu couches de tête. C'est quoi cette bouille que tu fais? La vidéo est en partenariat avec Yedi. Alors vous le savez, je vous en ai parlé dans un vlog la semaine dernière. Je vous ai dit qu'on avait reçu la station d'accueil. Alors le robot, on le teste depuis un petit moment. Et en fait, la station d'accueil et de vidange du bac à poussière, on l'a reçu la semaine dernière. On s'est laissé une petite semaine pour le tester. Et je peux vous dire que c'est super pratique, puisqu'on n'a plus besoin de s'attarder pour vider le bac à poussière. Il se vide automatiquement après chaque passage dans le salon et la cuisine. Donc c'est l'idéal. Donc au niveau de la station d'accueil, sur le dessus on a une petite trappe qui cache le sac, donc qui va aspirer tout ce qui est miettes, poussière, etc.
que le robot a aspiré. Donc la trappe est ici. Et ensuite, en dessous, on a la trappe pour la serpillière et le bac à eau. Donc le bac, il faut le remplir d'eau. Moi, personnellement, je ne mets pas de produit à l'intérieur. Et je vais venir installer la serpillière. Donc vous allez voir, j'ai programmé un petit passage dans la cuisine. Généralement, je le fais deux fois par jour, c'est-à-dire après chaque repas. Parce que quand on vide le lave-vaisselle, quand on fait à manger, etc., etc., les gouttes d'eau, etc., eh bien, je préfère passer un coup de l'aspirateur et de la serpillière après chaque repas. Donc là, il va faire son job, il va aller jusqu'à la fenêtre et il va revenir. Et je peux vous dire que au niveau de la quantité d'eau, ça sèche très très vite. Et surtout, il n'y a pas de traces. Donc là, je suis passée à côté. Il n'y a pas de traces. Quand le robot tourne, il ne me fait pas de traces. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Avant, j'avais un robot, il tournait et il faisait des traces. Et la toquée qui était en moi n'était pas super bien. J'étais obligée de repasser derrière lui. Donc, c'est pas du tout le but. Ensuite, au niveau de l'aspiration, donc il est très très bien puisque il a une brosse rotative, il va venir bien contourner tout ce qui est obstacle sur son chemin et surtout le gros plus, il passe sous mes meubles, que ce soit les meubles de la cuisine, donc au niveau des plinthes, mais également le buffet, et ça je peux vous dire que c'est super pratique et super bien. Et comme je vous ai dit, donc vous avez la station d'accueil pour pouvoir recharger le robot, mais également vider tout ce qui est poussière, miettes qu'il a aspiré. Donc là, vous allez voir, j'ai essayé de vous faire un gros plan. Et voilà, vous voyez, tout part dans le sac, donc c'est très 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 pratique. Comme d'habitude, je vous remets tous les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais que ça a un certain coût, mais vous le savez, comme d'habitude, quand je reçois un produit, j'aime bien l'avoir en double pour pouvoir vous le faire gagner. Donc, il y aura bientôt un petit concours surprise, comme d'habitude. Donc, restez connectés. Et j'ai oublié de vous dire un petit quelque chose, mais on lui a donné un nom à ce robot. Il s'appelle Wally. Il fait pas dodo, il fait semblant. Il fait semblant. Oh non. Ça va? Aria, qu'as-tu fait sur ton visage? Non, arrête, Doudou. Aria, qu'as-tu fait sur ton visage? C'est Goji qui t'a dessiné sur le visage? Non. Ah, c'est qui? C'est moi. D'accord. T'as pas de feuille? Non. Tu veux qu'on appelle tes parents pour leur dire que t'as pas de feuille blanche? Papa. Elle m'a demandé des feuilles, mais du coup, là. Ah, t'as demandé des feuilles et t'as dit non. Donc, elle s'est dessinée sur le visage. Donc c'est toi qui vas laver. On a fait un atelier. Pourquoi tu as écrit sur ton visage? Body painting. Parce que mais c'est pas une raison, parce que. Et sur ma bouche. Et sur ta, et ça te fait rire. On adore. Bon, je suis en train de bosser sur l'ordinateur. Si celui-ci veut bien m'écouter et ne pas ramer grave. Alors j'ai encore l'ancien, c'est pour ça que ça rame grave. Mais je vous jure que des fois j'ai envie de l'éclater contre le mur, mais je me retiens. Parce que voilà, mais parce que déjà l'éclater contre le mur, il est fixé au mur, donc c'est pas possible. Ouh, zen. Allez, on est reparti. Sur une voiture remplie, mais vous savez le truc qui se tire là pour que ça soit tout plat et que Doudou voit bien, il ferme. Il y a rien qui dépasse, donc ça c'est trop cool. C'était mon objectif. Tout est rentré. Au départ, j'avais dit à Doudou, on prend une glacière et tout. Et en fait, on n'en aura pas forcément besoin. Donc, pas besoin de glacière, parce que la glacière, ça prend quand même de la place. Avant, quand on n'avait que les deux grandes, la glacière passait au milieu et elle était entre les deux sièges. Mais là, ça tient plus avec les jambes de Cali, ça la gêne trop. Et avec le truc isofix de Romy, eh ben, on peut rien mettre à ses pieds. Donc bon, c'est pas bien grave, mais tout rentre. J'ai même pu prendre les petits sacs à dos avec les activités des filles, etc., etc. Voilà, normalement, je n'ai rien oublié. Les couches, les lingettes, les doudous, surtout. La nourriture de Romy. Les petits pots. Nous sommes sur la route. Direction le Jura. Chut, 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 chut. Voilà, très bien, le Jura. Profond. Ah si, quand t'as plus de réseau, c'est le Jura profond. Je suis désolée. Jura profond. Hashtag, voilà, exactement. La caverne d'Alice. J'aime beaucoup le Jura. La caverne de Jura, la taverne du Jura. Quoi? La taverne du Jura ou la caverne du Jura? La caverne. Ou la taverne. Les deux vont, ça sonne bien, les deux. Donc on est sur la 80, la 39? Non, la 40. La 40. Et nous allons passer sur la 39 direction Strasbourg. En fait, on s'est dit, quand on a fait le trajet pour jusqu'à Strasbourg, on s'est dit, on passe vers chez le frère de Renaud. Donc,
On a dit on va faire un petit crochet. Normalement on aurait dû partir que demain pour Strasbourg, mais voilà, on passe par le Jura et on repart demain matin sur Strasbourg pour demain toute la journée, dimanche toute la journée et lundi toute la journée. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais autre chose à dire ou pas? Bah non. J'ai l'ordinateur. Ouais, je suis en train de monter le vlog. J'ai l'ordinateur sur les genoux parce qu'en fait. Chez Damien, donc le frère de Renaud, il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc l'idée, c'est qu'on va poster le vlog grâce à une antenne avec notre réseau 4G. Et comme ça, vous aurez le vlog demain. Sur le coup, hier, je me suis dit, oh, il n'y aura pas de vlog, c'est pas grave. Mais en fait, c'était sans compter un bug sur une vidéo en partenariat avec Yedi que vous avez vu. Et en fait, normalement, ce partenariat devait sortir hier. Donc aujourd'hui, pour nous. Et en fait, il y a eu un bug, donc on est obligé de le sortir là parce que bah, par rapport aux dates du Black Friday et tout, c'est mieux. Voilà. Et franchement, j'allais pas vous faire un partenariat sur un aspirateur au milieu d'un vlog de Strasbourg. Vous voyez ce que. Voilà. Il y a un minimum de logique quand même. Donc voilà. Mais bon, en même temps, je me dis, c'est pas trop la course. On a pu filmer quand même un petit peu. Et on est dans les temps. On n'a rien oublié. Et on doit être pas mal. Voilà. Hein? Et sinon, eh bien, on a eu un temps dégueulasse en partant de la maison, mais là, ça s'est arrêté. Il pleut plus. Tu vois, on s'approche du Jura, il pleut plus, il fait beau. Ah, évidemment. La vallée bleue, carrément. Bref, donc, ce que je fais, c'est que je vais vous faire des bisous. On se reprend demain matin. On vous refilmera le vlog à partir de demain matin après le petit déjeuner. Je vais vite me dépêcher parce qu'il n'y a plus de batterie. Je vais couper. On vous fait des bisous et on vous dit à. Au revoir. Au revoir.